Thank you.
Excusez-moi, je m'entends en écho. C'est pas bon du tout, ça. Comment ça va? Leviosa. Excusez, vite fait, vite fait, vite fait. Faut que. Voilà. Voilà, comme ça je m'entends pas. Je m'entendais en écho. C'est un peu. What? Attendez! Calmez-vous! Super. Comment vous allez? Du coup, je suis niveau 19. J'ai pris quelques niveaux depuis la dernière fois. Je vais vous montrer vite fait mon petit farm hors stream. Vite fait. Ah. Je vais te faire rébellion. Action. Vas-y. Allez. Clac, 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 clac. Par exemple. Ranrok a ton sang sur les mains. T'as ton sang sur les mains. Pardon. Il était à côté, j'étais obligé de le tuer. Monsieur qui ne peut plus se passer du jeu. Ben... Alors... Bon, 25 popos, ça fait un moment. Alors, sachez que... J'ai fait quelques TP de la map. Vite fait. Par exemple. Voilà. J'ai un peu exploré la map. À pied. Et ceux-là, je crois que faut que je vole ou ça doit être une quête principale parce que j'arrivais pas à les atteindre. Et puis il y en a d'autres, je suis tombé sur des mobs, j'ai raté une esquive, j'ai vu ma vie tomber à 2%. Et je dis bon, bah on va faire demi-tour du coup. Voilà. Et ce truc de l'analogue pas inversé, ça me perturbe, j'arrive pas à m'y faire. Hier soir, j'ai failli te faire retourner sur le jeu à 2h du matin. Ouais, ouais, ouais. C'est pas gentil, ça. Fallait que je dorme, moi. Donc voilà. Un peu de farm. Donc j'ai fait des TP. Je suis niveau 19. En termes de défi, je suis à 25% sur le combat. Commencé à débloquer quelques trucs, voilà. Rapidement, quoi. Alors par contre en exploration, bah, je pense qu'il faut que j'avance dans l'histoire pour débloquer un peu. Guide du sorcier, bon, on a un peu avancé quoi. Voilà. Et les quêtes, on n'a pas avancé parce que
Alors, au début, je m'étais dit que j'allais faire les quêtes secondaires également hors stream. Sauf que je trouve que les quêtes secondaires ont quand même du lore. Elles sont vraiment sympas à faire. Donc, je me suis dit que je vais garder également les quêtes annexes pour les streams. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Du coup, hors stream, je fais juste du farm, pétage de mobs, des TP, des trucs comme ça, quoi. Serpentard, en vrai. Bah, c'est pour la première game, tu vois. Première game, j'étais obligé. Tu peux prendre un truc... dans l'exploit... Ah bon ? Maillot de bain de chercheur de secret. Ok, ça doit être un truc moche. Nice. Alors par contre, les en termes de skin... Alors, là j'ai remis cette tenue, parce que je vais retourner à Poudlard. Quoique, non. Je vais mettre ma vraie tenue. Ma tenue d'explorateur, hein. Voilà. Du coup... Du coup, là, il y a de la quête secondaire ici. Donc je vais la faire. C'est tellement ça, je te jure. Je me demande qui y vit. Bon, toi, ça a été très dur de pas accepter ta quête quand je suis passé à côté de toi. Bon, Edgar Hadley. Je peux faire quelque chose pour vous aider, monsieur... Hadley. Edgar Hadley. Et non, malheureusement, vous ne pouvez rien pour moi. Ah, ce Milo et ses idées folles. Milo ? C'était mon ami. Il y a quelques jours, il est venu me parler d'une soi-disant brillante idée pour gagner rapidement quelques galions. Il me suffisait de le suivre dans la forêt interdite. Si j'avais su qu'il voulait se procurer le venin d'une acromantule vivante... Pauvre Milo, il ne méritait pas de mourir ainsi. Je pense qu'il l'a bien mérité. J'ai l'impression que Milo savait ce qu'il attendait et qu'il a risqué votre vie au même titre que la sienne. Non, non. Milo n'aurait jamais fait ça. Ce n'était pas un mauvais sorcier, il était parfois... un peu trop sûr de lui. Rien que d'y penser... Le corps de Milo gisant encore dans cette grotte avec la fugitive. La fugitive ? C'est ainsi que Milo surnommait la Cromantule. Il avait le sens du spectacle. Juste avant de mourir, Milo m'a supplié de prendre sa montre à gousset ancienne. Pour que sa fille puisse garder un souvenir de lui. Mais je me suis enfui. Pourquoi voudrait-on risquer sa vie pour du venin d'araignée ? Le venin d'acromantule est un ingrédient de grande valeur pour la fabrication de potions. En grande partie parce qu'il est impossible d'en obtenir sur une acromantule vivante, comme l'a prouvé ce pauvre Milo. Si j'ai le temps, j'essaierai de récupérer la montre ancienne, monsieur Hadley. Hors de question ! Si vous allez dans la grotte de cette acromantule, vous allez vous faire tuer ! Ben, t'inquiète. Je vous en prie, oubliez ce que j'ai dit. T'inquiète pas pour moi, mon bro. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Bon, où se trouve donc cette grotte d'acromantule ? Excusez-moi. Oh ! Réveillio ! Fait plaisir, ça. Allez, hop. Est-ce qu'on lit ? Non. On n'a pas le temps. Oh ! Bon, défi, on récupérera ça plus tard. Par contre, j'ai l'impression que c'est juste... à perpète. Est-ce que j'aurais pas débloqué tous les TP ? À tout hasard. Facile de se déplacer pour faire les quêtes secondaires. Qu'est-ce que j'ai bien fait de débloquer tous les TP. Le mec a pré-shot. Attendez, il y a deux ennemis là-bas là. Action. DJ. Mais allez, t'es niveau 20. Bah t'es mort en fait. Réveillon. Vous assurez qu'aucun d'entre nous n'est impressionné par excuse-moi. Incendio. Comment je les torche en fait. Le braconnage, c'est fini pour toi. Réveillio. Ouais, j'ai. Ok, il y a une ambiance ici, hein.
verra ça plus tard, ça fait partie des trucs de farm. Du coup, nous en étions où? Il y a une ambiance ici, hein. On a l'impression que tout peut m'arriver à n'importe quel moment. Oh, une biche. T'as de la chance, je peux pas te viser. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Ennemi. En bas, flemme. L'ambiance dans ces boîtes jaunes. C'est le meilleur investissement de ma vie. Oh. Action. Les poissons. Incendio. Valide. T'étais un peu loin, mon coup. Facile. Viens ici. Ah. Oh, 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 qu'est-ce que je vois, là? Les centaures... Je suis peut-être pas prêt pour les centaures. Bon, ils ont l'air gentils, en vrai. Ils m'ont pas... Rebellion. Ok, les centaures sont gentils. Ça me rassure. Ah, je suis full popo. Je les ai déchirés, on peut le dire. Hein. Tu sais qu'en 35 heures de jeu, j'ai vu aucun centaure. Bah, moi, je viens de voir un groupe de centaures. Littéralement. Oh, excuse-moi. Ah! Incendio. Incendio. Bon. Tout ceci était bien drôle. Incendio. Comment on passe, s'il vous plaît? J'aimerais passer. Comme ça. Ça m'intrigue. Ouais. Je suis censé faire une quête, mais... Mais il y a des choses qui m'appellent, là. Ah. Levioso. Non. Action. Rebellion. The fuck. Je comprends pas. Action. Levioso. Pourquoi il est vioso pas lui? Il est vioso non? Vas-y, il est vioso. Bon, c'est pas grave, on va pas s'attarder là-dessus, on viendra plus tard. De toute façon, c'est affiché sur la map, je risque pas de l'oublier. Du coup... Action. Levioso. Ah. Protego. Stupéfique. Facile. C'est tout. 8 pattes, c'est trop pour moi. Ah, action. Ça j'aime pas par contre. Grosse araignée comme ça là. Stupéfique. Comment elle met la pression? Action. Levioso. Incendio. J'aime pas les araignées. Enfin, pas quand elles font ma taille. Extrême danger. Quel cri? Y'a pas eu de cri? Ok, là, je sens que ça pue la merde. Je sens
que ça sent mauvais. Ah ouais, j'aime pas du tout, hein. My god, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là, bordel? Moi, je connais ce genre d'ambiance, je t'explique. Sauvegarder la partie, sait-on jamais. Allez hop. Ouais, je combat, ça va ou quoi? Mec, t'arrives dans... Je vais me chier dessus, là. Rebellion. Vise. Ok. Allez, venez, 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 venez. Vas-y, viens, là. Bon. Apparemment. Ok, c'est des vieilles araignées toutes claquées. Mais il y a l'air d'en avoir un. Oh là, il y en a plein partout là. Ah! Ok, ça marche pas. Quand ça marche pas. Bim! Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a beaucoup d'araignées partout. Le gars est trop chaud. Clac! 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 Allez! Non! Saloperie! Allez! Le mec, c'est un chevalier Jedi en fait. Bon, par contre, on s'enfonce, mais. Faut les cramer. Ouais! C'est pour ça que. Yeah, Incendio! J'ai pas vu la mer, mais je pense que c'est justement. Tout l'intérêt de ma quête. Allez hop. C'est que... Merci, 19e mois le poteau. Clac clac clac. Toi même tu sais. Merci beaucoup. Non. Ça fait plaisir. Est-ce que je sauvegarde tout le temps? Bien sûr. Ah ouais? Il part en courant. Prêt à se battre. Toi, viens ici. Clac, 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 clac. Allez. La violence des sorts. Toi. Ah! Elle est grande. Elle est grande. Elle est grande. Saloperie. Incendio. Je te crame. Action. Levioso. Incendio. Ça. Ah 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 ah! Action! Clac! Def! Def! Respire, respire, respire. Ok, tout va bien. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous allez crever, il y a des araignées bizarres. Réveillon. C'est moi ou la terre a tremblé là? C'était un bout de bois. J'ai pas eu peur du tout, sachez-le. Y'a des araignées partout, comment j'aime pas ça?
Action. Levioso. Incendio. Ah la pétasse. Allez. Levioso. Allez. Incendio. Ah. Ça me prive. C'est quoi ces quêtes de mort là? À l'aide. Ok, respire. Tout va bien se passer. Ok, je suis full mana. Je peux te dire que la maman là, je vais bien m'en occuper. Est-ce que je sauvegarde ? Bien sûr. N'a jamais trop à l'abri. Pétasse à la kiss au bon lait de Bolobis, exactement. Bon. Ça pourrait bien être la grotte d'Acromantule dont parlait Monsieur Hadley. Ouais, ça pourrait bien être la merde. Incendio. Bon bah. On y est, hein. Oh la pétasse, elle est énorme. Bordel de merde. Ah. Ah ouais, triple... Ah! Je perds mes moyens. Ah la pétasse. Ah oh, la chiennasse. Ok, bouge, bouge. Wouh. La vie de ma mère. Vas-y là, lâche-moi en fait. Faut que je m'occupe des petites, elles m'emmerdent trop. Bon, j'ai chaud là. Ok. Incendio. Allez, viens là. Alors voilà la tristement célèbre fugitive. What the fuck, Emma? Ok, faut vraiment... Ok, c'est bon.
Elle est niveau 32? Comment ça, elle est niveau 32? J'ai rien à foutre, je suis niveau 19, je la fume. En vrai, je pouvais, hein. Incendio. Par contre, je viens de comprendre un truc. Alors voilà la tristement célèbre fugitive. Elle est putain de niveau 32. Action. Leviosa. Incendio. Protego. Stupéfix. Stupéfix. Incendio. Waouh! Elle met la pression, la vie de ma mère! Pourquoi il saute? Il me faut ça. Fou. Action. Viens là. Incendio. Mais crève, bordel. Ah non, j'ai voulu récupérer un objet. Ok, bon, ouais. Ah, je suis vivant. À l'aide. Je savais même pas comment je suis concentré. On va prendre notre temps. Hein. Allez! Non! Tête de ma mère, tu m'auras pas. Ah! Soignez, soignez! Soignez, soignez! Elle est où? Bouge, 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 bouge. Waouh, waouh, waouh. Toi, viens ici.
araignée qui mord. Contego, stupéfix. Ah! Potion. Allez! Stupéfix! Stupéfix! Putain, bordel de merde! Protego! Stupéfix! Incendio! Non! Toi, viens ici! Putain de merde, j'ai raté mon coup! Putain, elle est encore là! Let's go! Alors? Alors, c'est qui le patron? C'est qui le patron? On lâche pas la ferme! Viens ici, toi! Vous m'avez saoulé! C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante mortelle. Sur la tête de ma mère. Trouver l'héritage. Il est où? Putain, j'ai besoin de respirer là. Faut que je me barre d'ici. Incendio! Oh, merci. Par contre... Il est censé être où, l'héritage? Incendio. Je dois rapporter cet héritage à Monsieur Hanley. Ma parole, comment je sauvegarde, vous êtes des fous. Oh, Emma... Hein ? Elle m'a mis la pression de ma vie. Ah, je me sens... C'est bon, j'ai fini le jeu. Hein. On peut s'arrêter là, non ? Allez, tiens ton héritage de mort à toi là, vas-y. Ok, donc les quêtes annexes, apparemment faut faire attention, c'est pas la fête. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Apparemment c'est pas la fête du tout. Mec, ah, vous avez l'air de vous porter plutôt bien. Petit salopard, tu m'as donné une quête niveau 32. De ne pas pénétrer dans la grotte de la fugitive. Pardon ? Monsieur Hadley, j'ai récupéré la montre à gousset ancienne sur le corps de Milo. Par la barbe de Merlin, comment avez-vous... Je l'ai massacré. En fait, je ne veux pas savoir. Je veux oublier cet accromantule à tout jamais. Merci. Merci infiniment.
alors là, comment tu vas me donner une récompense, mon pote? C'était dur à trouver. Ne devrais-je pas être récompensé pour mes efforts? Totalement. Bien sûr, je serais ravi de vous payer. Tu vas payer cher. Mais je n'ai pas grand-chose. J'ai promis de payer les fournitures de la fille de Milo le jour où elle entrera à Poudlard. Eh bah tant pis. Je crois que vous sous-estimez ce que j'ai enduré pour retrouver la montre. Exactement. Vous pourriez la vendre pour acheter ce qu'il lui faut. Je n'aurais jamais dû parler de cette montre. Quel égoïsme. Pardon ? Voici votre argent, espèce d'escroc. Lui, là ? Vous ne valez pas mieux que Rockwood et ses serpents cendres. Ah, c'est comme ça. Alors, sache une chose. C'est que je n'oublierai jamais l'emplacement d'où tu te trouves. Si par malheur il y a moyen que je te bute, je vais te buter, sache-le. Oh, le petit bâtard. Ah ouais, il m'a énervé là. Mec, cause de lui, j'ai vu des game over là. Ok, quête annexe. Pas de quête annexe. Pas de quête annexe. Quête annexe. Pas de quête annexe. Là, il y a plein de quêtes annexes. Parfait. Je vais profiter de faire un petit BRB bio rapidos. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que vous mijotez ? Je vais faire un BRB bio, le jeu. Qu'est-ce que vous mijotez? Ça va faire rire aussi. Aïe aïe aïe. C'est ce qui doit être fait. Ok, si tu me donnes une quête au-dessus du niveau 30, je vais péter un câble à Alexandra Ricketts. Sache-le. Pardon, est-ce que tout va bien? Si les habitants du hameau t'ont demandé de venir me parler de... Je sais ce qu'il me reste à faire. Ce n'est pas tous les jours que l'on doit abattre son propre troll. Oh non. Je devrais avoir un délai pour le faire. Comment ça, votre propre troll? Je pensais que c'est pour ça que tu étais là. Désolée. Quand on passe beaucoup de temps avec les trolls, on oublie les bonnes manières. Je suis Alexandra. Je ne voulais pas être impolie. Et avec la bande de Ranrock dans les parages, je pensais que le hameau pourrait bénéficier de défenses supplémentaires. Mais ça a mal tourné. Je me suis excusée quand il a failli piétiner la moitié du hameau hier. Il a simplement besoin de plus de temps. Mais tout le monde veut s'en débarrasser. Ils me prennent pour une folle à vouloir élever un troll. Ils pensent que c'est impossible. En vrai, elle est audacieuse. Ça doit demander du courage. Il doit falloir beaucoup de courage pour essayer, je vous l'accorde. Merci. Ça fait plaisir à entendre. J'aurais aimé que les autres pensent pareil. Mais je comprends aussi leur inquiétude. Pourquoi ai-je pensé pouvoir le dresser? J'aurais dû faire plus attention à l'histoire de Barnabas le Follet. Mais c'est mon troll et mon problème. Pour être honnête, j'ai peur de ne pas être capable de m'occuper de lui.
Il est plus fort que tous les trolls que j'ai rencontrés. Si seulement je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire. Bah super. Voilà. Après les araignées, les trolls. Qui est Barnabas le Follet ? Tu l'as sûrement vu sur une tapisserie à Poudlard. C'est celle qui est accrochée dans le couloir du 7e étage. Il aurait essayé d'enseigner la danse classique à des trolls. Tu peux imaginer comment cela s'est terminé. Ouais, je l'ai vu d'ailleurs. À quoi est-ce que vous entraîniez ce troll au juste ? Eh bien, j'espérais pouvoir le dresser pour qu'il nous protège. Franchement, j'ai eu du mal à lui apprendre ne serait-ce qu'un mot ou deux. Je n'ai même pas pu lui apprendre un minimum de discipline. Je ne suis pas très enthousiaste, mais je vais y réfléchir. Oh non ! Je n'étais pas en train de suggérer que tu t'en occupes. D'ailleurs, tu devrais éviter la zone au sud-ouest d'ici. Du moins jusqu'à ce que je trouve le courage de faire le nécessaire. Ok. C'est un troll en liberté près d'un hameau. Les choses pourraient mal tourner. Ouais. Je vais tellement sauvegarder de ouf. Comme j'expliquais à Chroma, il y a sauvegardé. Et il y a sauvegardé de ouf. Là, je pense qu'il est bientôt temps de sauvegarder de ouf. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, vraiment juste à côté. Sauvegardons de ouf. C'est le moment. Par contre, j'ai l'impression que les quêtes rigolent pas trop avec moi en ce moment. Pas un stuff un peu plus intéressant? Non, même pas. Hein. Bah tant pis, hein. C'est dommage ça. En vrai, je fais le fou, j'ai rien débloqué dans le jeu, je commence à faire des quêtes secondaires en mode... Aïe aïe aïe, pourquoi je fais ça? Je suis bientôt niveau 20. Hein. Imaginez, niveau 19, on bute des araignées niveau 32. Imaginez ce que je ferais. Ah ouais, il y a une tête de mort sur lui. J'imagine que tu es l'ami d'Alexandra. Niveau 24. Bon. En vrai, poteau. Je sais pas, je me suis battu contre une araignée niveau 32. Tu te rends pas compte de ce qui se passe là. Stupéfixe.
j'ai fait bugger le troll. Voilà. Un troll, c'est complètement débile. Allez, dégage. Faut mourir maintenant. Faut mourir maintenant. Il était facile, lui. Je me sens mal pour Alexandra. Mais ouais, il fallait protéger le hameau de ce troll. Moi, je me sens pas mal du tout, hein. Revelio. En vrai, l'araignée a été un super entraînement, hein, parce que maintenant, des mobs niveau 20+, plus, on n'est pas stressé, quoi. En sachant que j'arrive à les torcher, alors que j'ai pas beaucoup de sorts, mais qu'est-ce que je vais faire, un massacre propre de ouf, hein. Bah du coup, Chroma, t'en penses quoi du jeu, là, du peu que t'en as vu? Là, tu vois le monde extérieur, mais en vrai... Quand tu vas voir Poudlard, genre vraiment le jeu est magnifique. C'est fait, Alexandra. Je me suis chargé de lui. De lui? De mon troll? Oh, je ne sais pas comment réagir. Merci. J'aurais aimé que ça se passe différemment pour lui. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai envie d'être gentil avec elle. Il ne pouvait pas être dompté. Il ne pensait qu'à tuer. Juste ciel. Je suis contente que tu n'aies rien. Tu es si téméraire. Les gens du hameau avaient déjà préparé un surnom pour la personne qui finirait par vaincre mon... le troll. Quelque chose de troll, ou des trolls, il me semble. Pourfendeur. Pourfendeur? Oui, c'est ça. J'imagine que ce titre te revient maintenant. Le pourfendeur. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Mais merci infiniment pour ce que tu as fait. Avec plaisir, quand tu veux. Si t'as d'autres trolls, tu me les envoies, je m'en occupe. Le pourfendeur de trolls. Ça sonne bien. Ouais, je suis d'accord. Ah oui, j'étais obligé, gros. Il est stylé en sachant que c'est que le début. C'est ça, en fait, qui me fume. C'est que c'est vraiment que le début, genre... En termes de quête principale... Bonjour, auriez-vous le temps de m'aider pour une livraison urgente? Il parle tout le temps par-dessus moi, c'est l'enfer. Tais-toi, villageoise. Donc je disais... En termes de quête principale, j'ai fait... Ouais, 5%, je pense. Bon, on va pas se mentir. En gros, par rapport à la quête principale, je pense que je devrais être censé être niveau 5-6, quoi, grand max. Eddie Tistlewood. Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide. Quelle chance de tomber sur le pourfendeur, le tueur, le chuchoteur des pourfendeur, trolls. S'il te plaît. Peu importe, je sais que vous serez à la hauteur. Moi, c'est Eddie Tistlewood, un ami qui habite Felcroft a besoin d'aide pour combattre les fidèles de Ranrock. Ah. J'ai envoyé deux caisses de choux mordeurs de Chine pour l'aider, mais elles ont disparu en chemin. Attendez, vous avez envoyé des choux combattre des fidèles? C'est bien cela. Vous voyez, je connais bien les plantes. Et je pense que les gobelins seront si agacés de se faire attaquer par ces végétaux féroces qu'ils finiront par laisser Felcroft en paix. Peut-être pourriez-vous retrouver la trace de ces deux caisses et les livrer à mon ami Bernard Ndiaye. Je ne peux malheureusement pas quitter ma boutique pour le moment. Vous savez où je pourrais trouver ces caisses? Oui, d'après ce que j'ai entendu, on en a repéré une au sud de Felcroft, l'autre serait au sud de Bourg-Garenne, près de la rivière. Ok. Y a-t-il un lieu où je peux trouver des choux mordeurs au lieu de les faire pousser? C'est possible, oui, mais cela prendrait du temps et nous devons agir vite avec la menace des sbires de Ranrock qui augmente chaque jour. Et puis, c'est une question de principe. J'ai fait pousser ces choux... Ils sont extraordinaires. Savez-vous pourquoi les gobelins visent Felcroft? Mon ami Bernard dit qu'il rôde dans la région depuis un moment. Il pense qu'il recherche quelque chose. Mais dernièrement, ils deviennent plus agressifs.
Je vais apporter une récolte de choux mordeurs à votre ami dès que possible. Ah, merci. Je vais dire à Bernard qu'il va peut-être recevoir ses choux, finalement. Ah, que au passage. À la vente ? On va en profiter. Je suis convaincu que Feldcroft serait bien plus en sécurité s'il était protégé par des choux mordeurs de Chine. On dirait que Feldcroft est en péril. Je devrais peut-être apporter mon aide. Mais ça va m'être utile. Hop, hop, hop. Ouh, on a du stuff là. Mais on a gagné du stuff là qui augmente mes stats. Merci. J'espère vous revoir bientôt. Très prenant ce jeu. T'as vu, tu comprends pourquoi je suis à fond dedans comme ça. Enfin. Il est vraiment stylé, genre. 12, 4, 5. Cape flamboyante. C'est moche. Là, on n'a rien. Ça, c'est faible. Les mains, on n'a rien. La tête, on n'a rien. Ok. Par contre, voilà, petit mirage des familles. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je m'en fous de ça. Monsieur Thistlewood, peut-être pourriez-vous. Je vais apporter une récolte. Ah, merci. Que proposez-vous à la vente? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc du coup, ça, ça dégage, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ah d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai une question. En sachant que je suis au début du jeu, avoir 11 747 galions, c'est bien ou pas? Merci. Parce que du coup, j'achète rien, mais... On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de comptes. Mais je sais pas trop... ok. Créer à sorte d'invocation? What? Je crois que je vais me TP ici, hein. T'es safe pour le moment. Ok, nice. Nice, nice. Parce que j'ai vu des trucs type recette de je sais pas quoi. J'ai vu des 2000 et tout. Le sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Hey, Chroma. Tu te rappelles quand je te disais qu'il y avait des fleurs qui faisaient des concerts? Je te laisse apprécier leur talent. C'était le moment musique. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai comme la sensation que je suis en train de me diriger vers une quête qui n'est pas de mon niveau du tout. Un pressentiment. Revelio. Incendio! Leccioso! Action! Professionnel, mon gars. Je devrais regarder ça de plus près. Tout à fait. Revelio.
Ah. Ouais, encore des araignées à l'aide. Action. Bah super. D'accord. J'ai capté l'ambiance. Oh, quel dommage d'être aussi répugnant. Action. Putain, j'ai réussi. Revelio. Revelio. Lunettes à demi-monture d'argent. On s'équipe, hein, parce qu'en ce moment-là, le jeu, il rigole pas avec moi. Voilà, un peu plus de défense, hein. On dit pas non. Par contre... voilà. C'est ça que j'aime trop aussi dans ce jeu, genre... parce que autant il y a du gameplay combat et tout, autant il y a cette partie énigme, tous ces trucs-là, genre... Enfin... C'est vraiment stylé, je trouve. Est-ce que ce serait pas le moment où je sauvegarde ? Du début à la fin, ouais. Non, franchement, il est très très propre. Bon, après, si on chipote, on trouvera forcément des défauts, mais pff, franchement, cette ça va. Cette caisse de choux mordeur de Chine est quelque part dans ce campement. Est-ce que je passe en mode Assassin's Creed ? Au mieux laisser la brise faire son boulot. Ouais, c'est vrai ça. Allez. Devrait peut-être faire un tour. Ok, toi ça marche, toi t'es mort. Bonjour. Faites pas attention à moi. Hein. Il y en a juste un qui m'a stressé. Rebellion.
Mais en vrai, de vrai, c'est ok. Hein. C'est bon pour la première caisse. Plus qu'une à trouver. Liaison 3. Ok. C'est rare en 2023 d'avoir un jeu conséquent sans passer par la case DLC. Oh, je pense que ça arrivera. Je pense que la case DLC va pas tarder. Hein. Là, le jeu vient de sortir. À tous les coups, ils vont te sortir une DLC Quidditch, ils vont te sortir une DLC pour intégrer le multijoueur, parce qu'à mon avis, à un moment donné, ils le mettront. Quoi ? Hé, je viens d'arriver, salopard ! Viens ici ! T'es faible. Ah ouais, tu te TP, tu te fais Action. Les gars, je venais d'arriver, laissez-moi le temps de respirer, non ? Quidditch, multi... Ouais, je pense. Après, bon, y aura sûrement des DLC, quêtes spéciales, machin. Ils vont te faire des easter eggs avec... avec Dumbledore que tu peux croiser étant enfant, des trucs comme ça, tu vois. Je pense. Pourquoi mon L1 est bloqué ? Ah les gars, vous ennuyez pas trop ? Viens ici, moi ! J'ai besoin de... Facile ce jeu. C'est entièrement la faute de Ranrock. Voilà. Action. Bonjour. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Je vais faire ça. Action. Parce que je leur mets. Eux, ils donnent des potions d'habitude là. Sauf mes potions. Je suis en galère de potions. Petite sauvegarde des familles. Je suis relou avec les sauvegardes, mais vraiment, je peux pas m'en empêcher. Dans les jeux comme ça, j'ai toujours... Je comprends pourquoi Feldcroft a besoin d'aide. Les fidèles de Ranrock se cachent près de Feldcroft. Ce sont sûrement eux qui ont l'autre caisse de Shoemorder de Chine. Action. Action. Incendio. Je vais venger. Tu vas rien venger du tout, poteau. Qu'est-ce que c'était ? C'était la mort qui s'abat sur vous. Action. T'es un peu loin, toi. Je ne m'arrêterai pas avant. Action. Incendio. Je l'ai
Oh là là. Des lettres. Et le coffre. Voilà, j'ai toutes les caisses de choux mordeurs de Chine. Maintenant, je dois retrouver l'ami de Monsieur Thistlewood à Feldcroft. Ok, allez. Oh, je leur mets des trucs. En fait, ce qui me fume, c'est que je sais qu'il me manque énormément de sorts. Et je m'amuse déjà. Si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Je m'amuse déjà avec ce que j'ai. Genre. Réveillo. Le jeu doit être tellement fou. Bonjour. Une fois que t'as plein de sorts. Vous m'apportez bien le colis spécial de... Bonjour, monsieur Ndiaye. C'est Eddie Thistlewood qui m'envoie. Oui, il m'a averti de votre venue. Vous avez les choux mordeurs de Chine? Mais... ouais. Oui, ils sont juste là. Merveilleux. Ils permettront de mieux protéger le hameau contre les fidèles de Ranrock. C'est même Vermine qui, à mon avis, les avait interceptés en compagnie du groupe de Rockwood. Feldcroft a une dette immense envers vous et Eddie. Merci de votre aide. J'avais peur au début avec les trailers du State of Play, mais le jeu final, c'est complètement différent. C'est pour ça que faut toujours se faire son propre avis. Parce que, tu vois, genre les trailers State of Play, les trucs comme ça, tu vas avoir une vision du jeu qui n'est pas terminée. Donc dans tous les cas, la vision est pas bonne, quoi qu'il arrive, tu vois. C'est comme les trailers qu'on a de FF16, où ils vont te montrer des choses. Une fois que t'auras le jeu entre les mains, ça n'aura rien à voir, quoi. Comment vous vous êtes rencontré avec Eddie? On s'est connus à Poudlard. Depuis, on est amis, et désormais associés en affaires. Je n'ai pas été surpris de son hibou sur cette arnaque aux choux mordeurs de Chine. Est-ce que vous savez pourquoi les go... Aucune idée. Au début, je croyais que c'est... Mais pour être tout à fait honnête... Que proposez-vous à la vente? Enfin des renforts. J'espère que ça suffira pour arrêter les gobelins. Fort de nifleur, fort de machin... Bon, ça, je sais pas pourquoi, je sens que ça sert à rien que... C'est un plaisir de faire affaire avec vous. N'hésitez pas à revenir. Je suis à 8 sur 10 hein, sur les quêtes annexes de relations, donc en vrai... En vrai, c'est pas mal. Alors... Ok, donc ça, c'est de la merde. Ça... Hop. Mon dieu, ce que c'est moche. Tu m'en veux pas. Mais on va mettre un truc un peu plus assorti. Également. Ah, y a un délire. Hein. Les couleurs vont pas ensemble. Mon dieu. Ah ouais, non, ça va pas du tout. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est encore mieux. Alors, défi, je suis déjà à 32%. Mort de rire. Vaincre 60 gobelins. Ok. Et 20 exploits de duel. Et là, on aura manteau de festival d'automne. Ok. Du coup, donc les quêtes secondaires, on est comment? Là, il y en a. Donc en quête secondaire de relations, il m'en resterait deux à faire du coup. En route pour de nouvelles aventures?
Cela doit mener à quelque chose de grandiose. Althea Tweedle. Excusez-moi, madame. J'ai cru vous entendre dire quelque chose. Oh, en effet, je parlais encore toute seule. Depuis la mort de mon mari, j'apprécie de pouvoir me faire la conversation. D'accord. Madame Althea Tweedle, ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, Madame Tweedle. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous, les jeunes, vous adorez ce genre de choses. Mon mari songeait souvent à cette mystérieuse statue près de notre hameau. Il disait qu'elle abritait une sorte d'énigme ancienne impliquant des vases. J'avais un regain d'énergie aujourd'hui, alors j'ai prolongé un peu ma promenade matinale et voilà que je suis tombée dessus. J'adore. Une ancienne énigme ? Ça a l'air fascinant. Vous voyez, je vous avais dit que cela vous intéresserait. Et attendez que je vous parle des rumeurs qui entourent ce mystère. Mon mari Gréville était catégorique. Selon lui, cette énigme dissimulait une sorte d'épreuve magique. Ah, rien le fascinait. Il était sur le point d'essayer de la résoudre quand... Ah, peut-être que vous pourriez regarder. Cela m'intéresserait grandement d'entendre le récit de vos découvertes. Où puis-je trouver cette statue ? Ce n'est pas loin d'Irondale. Elle est sur la rive près des vieilles ruines. Vous ne pouvez pas la manquer. Je vais aller voir ce que je peux faire. Ah, la fougue de la jeunesse. J'espère que vous saurez élucider ce mystère. Si ce n'est pas pour moi, au moins en l'honneur de Gréville. Ok. Je devrais examiner la statue mentionnée par Madame Tweedle. Bon, j'ai pas à me taper contre une araignée ni niveau 156 là. Ça va peut-être me changer, une quête chill impossible un peu. Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. Moi, ce genre de zone... On dirait la statue mentionnée par Madame Tweedle. Je connais ce genre d'ambiance. Vous êtes des fous. Moi, j'ai pas confiance. Le jeu, il va me faire pop un squelette ou je sais pas quoi devant moi, là. On va pas se faire carotte. Allez, go. Je suis censé faire quoi avec ça? Ah, c'est tout. Pourquoi y a-t-il autant de vases ici? Trois galions. J'imagine que je devrais essayer de trouver tous les vases. Ça va être... Rébellion. Ok, il s'est pas visé. Allez. Rébellion. Incendio. Ah. J'y suis presque. Plus qu'un vase. Rébellion. Oh, le moment où il... Ah, il est là. Ah, ça va, en fait, c'était pas si... Je pensais qu'il serait mieux caché, en vrai. Oula. J'ai réussi. Ouais. Tu devrais aller expliquer à Madame Tweedle ce qu'il s'est passé. Attends. Ah, attends. Qu'est-ce que j'ai vu là? Attends, on sauvegarde vite fait.
a marqué arène de combat commencer tout de suite. C'est bon. Vague 1. Oh mon dieu! Vague 4, ça arrête jamais en fait. Oh merde. Action. Stupéfix. Les vieux sont.
Stupéfix. Action. Incendio. Action. Incendio. Contego. Stupéfix. Non. Vague terminée. Grosse brute monstrueuse de mort. Vague finale. Ok. Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Ah. Ça va être pris de court. Dégage. Là.
savais même pas comment je suis concentré. Excusez-moi. Hein. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Mais frérot, qu'est-ce que tu veux faire contre moi en fait? Je le finis en beauté ou pas? Je crois qu'il va mourir avant. Bon bah il est mort. Ça. Les arènes de combat là, incroyable. Merci. En choisissant l'équipement, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai eu un message. Attends, j'ai débloqué des trucs. Bon, alors déjà on saute. Ouais, je sauvegarde tout le temps, hein, vous savez. Hein. Tenter défi. J'ai rien débloqué là. Ah si. 40 araignées, hop. Ok. Ok, ok. Nice. Nice, nice, nice. Les arènes de combat, je suis fan, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais exactement ce que je vais farmer hors stream. Parce qu'apparemment, je peux recommencer et recommencer. Je vais me buter aux arènes de combat à moi l'XP. Quel plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir également. Alors, ma petite dame. Madame Tweedle, votre époux avait raison. La statue fait partie d'une énigme. Oh, vraiment ? C'est incroyable! Oui, j'ai dû détruire un certain nombre de grands vases pour activer ce qui semble être un sortilège de magie noire sur la statue. Impressionnant! Oh, la présence de quelqu'un d'aussi curieux et futé à mes côtés me manque tant. Bien, vous avez satisfait ma curiosité. Je vous remercie. Qui sait ce que je découvrirai lors de ma prochaine promenade? Ouais, bah n'hésite pas à te promener Mon tous les jours. Mon époux serait tellement heureux de savoir qu'il avait raison à propos de cette statue. 9 sur 10. 9 sur 10. Donc il m'en manque une.
Là, il y en a une ici, mais je crois que j'ai pas le niveau. Hein. Il y en a pas une autre un peu plus haut, non? Non. Non. Ah mais ils mettent niveau de l'ennemi 20-40, c'est la première fois que je mets la map comme ça. Entre 20 et 40, entre 10 et 30. Ah ouais. Et moi je dois aller où là? Ah ouais, c'est la merde hein. Franchement on va tenter hein. On va voyager, on va sauvegarder bien comme il faut. Mais ça se tente en vrai. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. L'ennemi le plus fort que j'ai réussi à battre était 34. Je me demande qui y vit. Excusez-moi, c'est bien moi que vous appeliez ? Tout à fait. Je m'appelle Marianne Moffett. Ravie. En ce moment, j'ai bien de la peine à trouver un Dirico en particulier. Un Dirico ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des oiseaux magiques. Les moldus les appellent des dodos et pensent que l'espèce s'est éteinte. Mais c'est parce qu'ils peuvent disparaître à proximité des humains. Je me fais du souci pour un grand Dirico albino surnommé Guineira. Il s'agit d'une légende locale et les braconniers rêvent de mettre la main dessus. Si j'en avais la responsabilité, je la traiterais comme une reine. Et je pourrais utiliser ses plumes pour mes créations de mode. J'ai l'impression qu'il lui faut un refuge. Il se trouve que j'en connais un. L'endroit parfait, c'est chez moi. Attendez un peu que mes voisins la voient. Et puis, avec ses incroyables plumes, je serai à la pointe de la mode. Je ne parviens pas à la sauver. Et j'ai peur que les Dirico ne me fassent pas confiance, car j'ai passé du temps près de leur repère. Pourriez-vous me décrire ce fameux repère de Dirico ? Il se trouve près de la rive, en haut d'un promontoire rocheux. Vous ne pourrez pas le manquer. De nombreux Dirico s'y prélassent. Pourquoi ne se préoccuper que de Guineira et pas des autres Dirico ? Guineira est spéciale. Avec son incroyable plumage, elle intéresse beaucoup les braconniers. Ils sont prêts à tout pour l'attraper. Les autres Dirico ne semblent pas avoir de mal à échapper aux braconniers. Je vais me mettre en quête d'un grand Dirico blanc, alors. Oh, merci. Oh, ces magnifiques plumes. Et elle serait en sécurité. Une dernière chose. Elle semble passer ses journées cachées. Je ne la vois que la nuit. J'espère que vous pourrez la sauver. Vous risquez de devoir courir. Parfois, je me demande si elle considère les courses-poursuites comme un jeu. C'est à 600 mètres. J'imagine que je devrais attendre Guineira. Elle n'apparaît que la nuit. Qu'est-ce que vous mijotez ? Qu'est-ce que vous mijotez ? C'est censé être ma dernière quête annexe. Et après, petite pause et go, histoire principale. Excusez-moi, mais... Hop là. Ok, alors dans le doute. Parce que on sait jamais ce qui nous attend. Tu crois que c'est une quête tranquille et en vrai, c'est pas du tout une quête tranquille. Mince.
pas attendre la nuit. Vu qu'apparemment c'est un truc qui se cache, moi je suis un malin, moi. Ça doit être le repère de Dirico dont Miss Moffett m'a parlé. Où est Quineira? Comme l'impression qu'il me manque une capacité. Revelio. J'ai vraiment l'impression qu'il me manque une capacité là. Je veux aussi lancer un stream, finir mon petit Trails of Cold Steel avec la fin de Fou Furieux et partir ensuite sur Hogwarts. En fait. T'es pressé de finir ce jeu pour retourner sur celui-ci, quoi. Tu vas pas réussir si jamais il te faut l'accès au sac de capture et le... Ah, ok, ok. Par contre, une question que je me posais. Est-ce que vous savez... admettons que là, par exemple, j'aurais pas pris la quête secondaire, enfin la quête annexe, et que j'aurais continué l'histoire. Est-ce que j'aurais raté la quête annexe? Ou est-ce que, enfin... Faut vraiment faire attention entre les quêtes de l'histoire de choper toutes les quêtes annexes pour pas en louper. Oh, Raten, ça va ou quoi? Je suis pressé de trop de choses. Non, je risque pas de les rater du coup. Quête annexe, tu auras toujours accès même en continuant l'histoire. Ok. Eh ben, on va retourner à Poudlard du coup. En vrai de vrai. T'aurais pu la récupérer plus tard. Ok, bah, en fait c'est pour ça que je faisais les quêtes annexes, parce que j'étais en mode, bah imagine... imagine, tu sais, ça les cut ou quoi, tu vois. Bah t'es court, wow. Wow, wow, wow. Par contre, ça va très mal. Qu'est-ce qu'il se passe? Comment ça, ça va très mal? T'es à Serpentard, c'est terrible. Oh, mais si tu savais. Si tu savais à quel point c'est terrible pour ce monde. Pardon. Disons que... Je suis parti sur une idée fixe. Je pense que les gens vont regretter de croiser mon chemin. Bon, maintenant qu'on est de retour à Poudlard... moi j'ai une quête qui m'attend ici. Donc je pense que je vais faire une petite pause, je vais me prendre un petit café, tout ça. Et comme ça, quand je reviens d'ici 5 petites minutes, je vais faire full quête principale un peu. Moi je suis porté sur... Je suis parti sur l'opposé, full good guy. Aïe, c'est marrant. Comme quoi. C'est ça qui est bien aussi, tu vois, c'est que tout le monde peut choisir son truc, tu vois. T'as pas une façon de le faire, donc c'est cool. Va faire le mal. Exactement. C'est exactement ça. Du coup... Ah ben c'est ça, sinon ça va me parasiter. Je prends une petite pause, 5 minutes, et j'arrive tout de suite. À toutes.
fait plaisir. Bon, vu qu'on est de retour à l'école, il nous faut une tenue. Non. 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 Bon, apparemment... faire beau gosse pour l'école. Par exemple. Par exemple. Ok. Oh, nouveau manche à baguette. Burke. Ok, bon. Nous y voilà. Madame. Professeur. Je me demandais, avez-vous étudié à Poudlard ? Oui, je suis fière de représenter la maison Serdaigle. Ah bah super. Pourquoi cette question ? Je me demandais si Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessée par le temps un jour. Terrible. Non, c'est fascinant. Par le temps, je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb ? Qu'est-ce que... Ah ! Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien ! J'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. En gros, elle vient de nous dire cash. Même dans le château, c'est pas safe. Espiègle ? Non, non. Il est méchant et mauvais. Exactement. Attends. Ah, pendant la journée. Ah ouais. Attends, on va attendre. Hein. J'avais pas réalisé. Il n'y a pas de cours de nuit. Bon. S'il vous plaît. C'est la journée là. Ah ok. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Bien sûr. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Ah. Écoutez attentivement.
Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Okay. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Expelliarmus. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Expulse les baguettes et les armements, la plupart des ennemis qui les brandissent infligent également des dégâts à tous les ennemis, même s'ils ne portent pas d'armes. Expelliarmus, vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Et il met du temps à se recharger. Pourrait vous sauver la vie un jour. Ok. Si je fais un truc du type. Action. Leviosa, Incendio, Expelliarmus. Vous travaillez encore. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parfait. Bon. Apparemment, il n'y a plus de quête. Cours de botanique. Pourquoi j'ai pas cette épée ? Ah, je crois que la porte était fermée. C'est pour ça que j'ai pas cette épée. Le guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Revelio. Bon bah, let's go, hein. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lenora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ok. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Sympa la prof de botanique. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tu pourrais cultiver ton cœur. Le botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Ah ouais, attends, je baisse le son du casque là, je sens que je vais me faire avoir là. Baisse le son du casque. Maintenant, chacun saisit voilà. Sa mandragore par les brilles et la tire fermement. Attends, j'ai bien baissé le son du casque là. Voilà, on va le mettre à 50. J'ai tellement bien fait. C'était chaud. Placez vos mandragores dans leur nouveau dos et tapotez le terreau. Ferme ta gueule. Pour monter le son du casque. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo. Revelio. Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Ouais, bah super. Bon, hein. Allez, file, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Très beau travail, vous avez juste failli perdre toute votre audition, bien. Mais tout va bien. La tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous, je me demande si les... Madame, je peux vous rempoter? Pardon. Oui, professeur. Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. J'ai failli perdre Louis. Je sais.
J'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictam. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Traitement de faveur. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. N'hésitez pas à me donner des cours du soir. Comment équilibrer mon bouquet de chardon étoilé ? Avec des roses ? Les propriétés régénérantes du dictam en font un ingrédient indispensable de la potion Ligonwell. Durée de croissance... Comme vous savez tous grâce au cours du professeur Char. Que elle parle... T'es mignonne, mais t'es pas obligée de parler tout le temps. Durée de croissance 10 minutes, petite plante. Tu sais très bien que les relations prof-élève n'est pas possible. Oh... Je suis en cinquième année quand même. Du coup, dictam, ça sert à quoi ? Une plante médicinale dont les feuilles sont utilisées pour préparer les potions Wiganweld. Ah oui. Donc littéralement, ça me servira jamais à rien parce que je suis tout le temps full. Les graines de dictam sont en vente au navet magique, peuvent être plantées dans les pots de n'importe quelle taille. Vous pouvez ajouter de l'engrais à cette plante pour accroître sa production. Pour créer de l'engrais, invoquez un composteur à bouse. Ok. Beau travail ! Une fois récolté, votre dictam pourra être utilisé dans une potion Wiganweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu ? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Ils se trouvent dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts. Ils ont les dents pointues. N'inquiétez pas, professeur. Je viendrai vous retrouver. Peut-être la seule que je ne tuerai pas. N'oubliez pas, une baguette magique n'est pas une truelle. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non ? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. Prouette ou brouette ? Faut pas me lancer sur des sujets de brouette avec cette madame. Pardon. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon ? Oh, ton duel contre Sébastien ! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement... Je perds mes moyens dans ces cours de botanique ! Oh ! Eh bien, merci. Laissez-moi mettre de l'engrais ! Du chou. Vas-y, attrape un de ces choux. Tu vois ce mannequin ? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Attends, il faut que je loote tout, là. Voilà. Je suis pas en roue libre, non, tout va bien. Attaquer le 1 avec un chou mordeur. Maintenez L1 pour ouvrir la roue. Ok. Regarde ça. D'accord. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnommage, mais ils ont détruit ses jonquilles klaxonnantes. Ok. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. Et en vrai, c'est intéressant, t'envoies les plantes tankées à ta place. C'est déjà fait. Crois-moi, Léandre. C'est ce que j'imagine depuis le début. Vraiment ? Je veux dire, bien sûr, il ne vaut mieux pas t'embêter, toi. C'est évident. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, on devrait probablement retourner en classe.
Oui, retrouvons Madame Bulbi. On se voit en classe. Pardon. Réveillon. Bon. Il ne vaut mieux pas m'embêter. Il survivra tant qu'il reste loin de moi. Ah, BRB Bio apparemment. Allez, salut mon pote. Ah bah non! C'est pas les chiottes par là! C'est la quête. Pardon. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolé non, pour c'est vous, pas tout. Monsieur Clopton. C'est pas tout. Faut qu'on discute, toi et moi. J'ai pris soin des choux-mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsure ou de doigts manquants. Ah. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Oulala. Oulala. Je suis toute chose, dis donc. Elle veut voir mes plans de botaniste. Par contre, les profs sont quand même assez étranges parce que elle a quand même dit « Oh, bah t'as encore tous tes doigts !» Non mais on n'en voit pas des élèves, des ados, se faire bouffer les doigts. À l'aide. À vrai dire, les plantes ne m'intéressent pas vraiment. Alors si je veux foirer toutes mes chances, je réponds ça. Mais Madame Bulbi, moi aussi, les plantes sont fascinantes. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. T'inquiète pas, t'auras de mes nouvelles. Sans aucun doute. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes deux tympans. Pour entretenir une chose, il faut la comprendre. J'ai bien apprécié ce cours de botanique. Intéressant. Quête, j'en suis où? À la tombée de la nuit, j'attends. Ah oui, ça c'est ce que je peux pas faire. Ça c'est le truc qui se fait au fur et à mesure. Niveau requis 4. Alors, je suis niveau 21. Est-ce que vous pensez que j'ai le niveau? Le mec est complètement cheaté. Bon. On aille là, du coup. Ah ouais, Madame Bulbi, là. Quel plaisir de te voir ici. Ah ouais, toi aussi? Mais dis donc. Désolé, mon cœur est déjà pris. Salut, Nati. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là, et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? J'en sais rien. Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Tu poses trop de questions. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolar lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais, inoubliable. J'avoue, elle aura mis une Vous pression. M'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolar. C'est une raison de plus pour les arrêter.
Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow ? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Pardon ? Comment osez-vous me menacer ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Aider l'inconnu. Ah, les quêtes elles pop dans tous les sens. Hein. Aider l'inconnu, épreuve de Merlin, cours de potion. Épreuve de Merlin. Tu regarderas Didi. Fait. Ah. Qu'est-ce qui se passe sur Didi ? Ah les gamins. À l'aide. Les épreuves. Ah, ça veut dire que ça va être quelque chose de cool. Let's go. Bon, j'ai que 20 potions là. Va falloir que je bute du gobelin hein, parce que... Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi ? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Oh, je vais vous massacrer, vous. Quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève ? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfix ! Tu vas regretter d'avoir mis... Ah ouais les gars. What the fuck? Allez mon poulet. Oh, intéressant ça. J'aime beaucoup. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Un nouveau type d'ennemi a été ajouté. Vous y trouverez des informations précieuses sur les ennemis, notamment leur vulnérabilité à certains sorts. Viens ici voir. Tu vas le regretter. Étaient si faibles. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Est-ce près de Poudlard ? Astérix ? Ah ouais, Stupéfix. Astérix ! Idée fixe ! Ça, c'est un sort pour avoir des idées. Pardon. Est-ce que ça va ? Oui. Grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Oh, si tu savais. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper ? Des serpents cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous avez parlé d'une certaine Priya ? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Mmh. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes.
C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Vous menez des recherches ? Nora Treadwell, à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. C'est extraordinaire ! Merlin ? De la légende du roi Arthur ? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Il était chez Serpentard, très bonne maison. Merlin, il était chez... Eh ben voilà, tu vois, elle vient de me le dire également. C'est fascinant. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Oh, de ouf. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce ? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Mmh. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles ? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. Je suis chaud, hein ? J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tente. Ok. Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers, là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Ah, faut la placer ici. Incroyable ! Vous avez vu ? Les plantes ont disparu ! Que dois-je faire maintenant ? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Ah, c'est chaud ! Par la barbe de Merlin ! C'était sûr. Les flammes font sombrer le bûcher. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci ? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Il me faut des mauves douces. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Incroyable. Rébellion. Maintenant, tu vas devoir faire toute cette sur la map, il y en a des tonnes. Toujours plus de farms. Franchement, ça me va. Hein. Alors, du coup, enquête annexe, on accède de là. Cours de potions.
J'ai pas de nouvelles quêtes qui ont pop. Bon, de toute façon, quête annexe, je pourrais les faire. Ok. On enchaîne. Petit cours de potion. Passerait pour un incompétent, ce qu'il est. Petite sauvegarde des familles, bien évidemment. Toujours la petite sauvegarde manuelle. Par contre, je vois que dans les défis... Terminer les épreuves de Merlin. 1 sur 2. Ah, ok, d'accord. J'ai capté l'ambiance. Alors là, par contre, je lis une chose. Faut vraiment que je les fasse tous, parce qu'il y a marqué « Stockage de l'équipement accru ». Oh my god. Il faut vraiment que je les fasse. Il me faut plein de mauves douces. Très intéressant. Brin de mes couilles et feuilles de mauves douces. J'en ai 6, j'en utilise une par épreuve. Ah ouais, il m'en faut plein. Ça, il m'en faut plein. Attends, j'ai combien de... 380, ça va. Allez, c'est parti, on enchaîne. J'ai vu un badge d'horreur sur le bureau du professeur Sharp. Je parie qu'il en sait plus qu'il ne le laisse croire sur la révolte des gobelins. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiganweld. Oh, il casse la tête avec Monsieur cette potion. Monsieur Tucker, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiganweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdel. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. J'ai déjà un stock. Je suis dans le futur, moi. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Doucement, doucement, doucement. La chose bien. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préola, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu... d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse?
Génial. C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Je m'appelle Gareth d'ailleurs. Gareth Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley ? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que j'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je te ramènerai cette plume de faucifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Suspect. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. C'est un Weasley, il pose trop de questions. Lui, il va faire de la merde. Sûr et certain. Les sorcières et sorciers. Revelio. Je dépouille tout le bureau. What? La précision est essentielle pour la préparation des potions. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Les potions, tout comme l'expertise, prennent du temps. Faites preuve de patience et de minutie. Œuf de serpent sans fourrure de chien. Est-ce que j'aurai pas... V'là les trucs déjà de base. Temps de préparation, 30 secondes. Oh. On va attendre. Qui augmente la défense de celui qui la boit en le recouvrant d'une peau rocailleuse résistante. Faudra que j'en fasse plusieurs, ça. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il ? Ma potion Wiganweld est un vrai désastre. Et si seulement je pouvais la carrette. Par parole, je suis pas dans l'histoire. Monsieur Weasley. Non, non, moi je faisais ma Désolé, potion. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Che. Encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. Je suis innocent, monsieur. J'étais pas dans l'histoire. Vraiment. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, professeur. Ce n'est pas en fuyant vos responsabilités que vous rentrerez dans mes bonnes grâces. Tenez-vous-le pour dit. Il est chaud. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation Avec de potions. Plaisir. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Ok.
parler de la salle de la carte au professeur Fig. Ah, je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Gareth jusqu'à la fin de l'année. Non. Bonjour, jeune serpentard. Scrub sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scrub peut vous aider. Et vous, vous pouvez aider Scrub. Rendez-vous dans la cour, derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Butlek. Au professeur Black. Ok, Scrubs. J'arrive, mon pote. Quand tu veux la porte, nice. Hop. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec Scrops. J'ai pas le temps pour vous. Peut-être dû me TP. Je ressens des petits lags, je vais juste faire une sauvegarde au cas où. Sait-on jamais? Rébellion. Scrop, c'est tout au sujet de ce que vous avez trouvé. Manque-t-il quelque chose? Scrop pense qu'il n'est pas sûr d'en parler ouvertement. Scrop a laissé un message. Après le pont, dans le cercle de pierre. Faites attention, n'en parlez à personne. Scrop ? Qui est Scrop ? Réveillon. J'aimerais bien. Action. Je captais l'ambiance. Approchez des citrouilles juste après le cercle de pierre, regardez dans l'une d'elles. Voilà. Des citrouilles? Oh, je crois que je sais où aller. J'étais bien un Poudlard là, il m'en met nous lui. Expelliarmus. Pardon. Rebellio. J'espère que c'est pas une farce. Non. Même pas mal. Réveillon.
sûr, il y a un truc à faire avec ça. Action. Sous ma gueule. À l'aide. Incendio. Action. Mais... Ah, mais je l'avais déjà fait en fait. Enfin, je crois. Je sais pas. Bizarre. Bref. Merci d'avoir fait le déplacement. Scrope est mon nom. Scrope sert le directeur. Scrope est dans la famille Black depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrope voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Qu'est-ce qui se passe? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrope peut vous en dire plus en échange de votre aide, mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Si je peux saper l'autorité et en tirer profit... Désobéir au directeur et en tirer un avantage personnel? Continue. Scrope n'a pas l'intention de désobéir au directeur. En fait, Scrope veut lui faire une surprise. Apollonia Black, la défunte maîtresse de Scrope, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrope pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la belladone et du sureau. Scrope a essayé de l'avertir. J'en suis désolé. Mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages? Scrope pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scrope aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrope d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrope continue de respecter sa demande. Scrope n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scrope a su que vous cherchiez ces pages, Scrope a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'oreille? Les Blacks ont l'habitude de décapiter leurs elfes de maison quand ils ne leur sont plus utiles. Bah super. Un jour, Scrope a agacé cette chère Apollonia, et elle s'est un peu emportée avec un hachoir dans les mains. Scrope a réussi à convaincre cette gentille petite de sa valeur et voit désormais cette blessure comme une preuve de son bon cœur. Ouais, il fait de la peine, lui, il est trop gentil. Dis-moi plus au sujet de cet anneau précieux. Il porte les armoiries de la famille Black. Le directeur serait reconnaissant si Scrope le lui rapportait. Attends, comment sais-tu pour le livre et qu'il manque des pages? Scrope et les autres elfes de maison savent échapper au regard. Scrope entend et voit bien des choses dans le château. Scrope sait garder un secret. Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrope est soulagé. Scrope espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Scrope vous attendra juste ici. Bonne chance pour trouver les pages et la bague. Ok, let's go, hein. Revelio.
Delphioso. Je l'ai massacré. Au calme. Il y en a beaucoup là. Sachant que l'accès à cette grotte va être plus long que prévu. Revelio. Ai-je besoin de pain grillé? J'imagine qu'il faut le placer là. Est-ce possible? Un visiteur? Oula. Oh! Ah. Je suis Richard Chouka. J'étais élève ici, comme vous, il y a un siècle. Comment avez-vous fait pour trouver ce lieu? C'est un elfe prénommé Scrop qui m'envoie. Il a dit que je trouverais un anneau de la famille Black ici. Ah! Je vous demande pardon, mais j'ai vendu l'anneau il y a longtemps. Pauvre Scrop. Il doit encore pleurer à Polonia. Je ne lui jette pas la pierre. J'ai volé tous ses trésors uniquement pour l'impressionner. Mais en vain, hélas. J'ai pensé qu'une carte secrète chapardée à Peeves piquerait sa curiosité, mais elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi l'embêtais-je avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre? C'était assez gênant. J'aimerais récupérer ces pages si ça ne vous fait rien. Je ne les ai plus. J'ai pensé que si Apollonia se fichait de la carte en elle-même, peut-être me mènerait-elle vers quelque chose qui l'intéresserait. Alors, j'ai suivi la carte jusqu'à arriver dans une sorte de grotte enchantée. Et puis, vous devinez ce qui s'est passé ensuite. J'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène là où se trouvent les pages? Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Il les a lâchés après un assaut particulièrement violent dans la bibliothèque. Mmh. Pourquoi me fallait-il du pain grillé pour entrer? Oh, c'était l'idée d'Apollonia.
Les calmars adorent le pain grillé. On ne vous a pas appris ça, à Poudlard ? Je crois savoir comment vous êtes mort. Mais qui vous a fait ça ? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous allez dans la grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Ouais, j'ai pas envie qu'on me coupe la tête. Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages, je vous rejoindrai dans la forêt. Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet. Si la vue de... eh bien, de mon squelette décapité ne vous gêne pas, elles sont à vous. Ok. Ah. Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Voilà. Bonjour, Scrop. Grâce à toi, j'ai pu entrer dans le caveau d'Apollonia. Le pain grillé était la clé. Oh, ce garçon n'était pas assez bien pour Apollonia. Mais qu'en est-il de l'anneau des Blacks ? C'est malheureux, en effet. Scrop va chercher un autre moyen d'impressionner le directeur. Merci encore, Scrop. Sache que tu fais honneur aux elfes de maison. Ok. Petit level 22 là. Spectre 1, la carte représente une forêt, un point de bougie. J'ai mis dans mon sac au cas où j'en aurais besoin. Utiliser la carte avec les bougies flottantes pour trouver le trésor. Ça se trouve où ? Ah, ça m'a l'air mal barré. Non ! Là, on a de la quête secondaire. Du duel et un périple sucré sans vouloir me parler, récompense d'or et création d'invocation. Ok, bon, du coup on a pas mal avancé en vrai, c'était plutôt cool, donc je pense que je vais stopper ici. J'ai des petit truc à faire IRL, faut que je fasse des petits reclairs aussi sur FF14 que j'ai toujours pas fait. Il faudrait peut-être que je les fasse en rapide. Donc sur ce, bah merci à vous d'être passé, ça m'a fait plaisir. Cool que vous suiviez mon avancée. Si jamais, j'upload mon avancée aussi sur YouTube pour ceux qui sont arrivés en cours de route et qui voudraient regarder le début. N'hésitez pas. C'est là pour ça. Donc voilà. Du coup, prochain stream, je pense demain. On continuera du coup. Ce soir, je pense pas que je vais stream mon requin de P8S. On verra. Sauf si je me motive. Du coup, je vais vous envoyer chez
Ama. Je connais pas le jeu qu'elle stream, mais c'est toujours cool de découvrir d'autres jeux. Donc je vais vous envoyer là-bas, tranquillou. En tout cas, encore merci à vous. Et merci à Chroma pour le resub 19e mois. Sur ce, je vous fais des bisous. Et surtout, n'oubliez pas que... It's Leviosa. Ah, Leviosa.